Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une transaction sur EasyChange. Alors beaucoup m'ont posé les questions, j'arrive pas à faire une transaction, ça se passe comment, c'est compliqué, mon fil est bloqué. Donc aujourd'hui là, je vais profiter de l'occasion parce que je vais faire une petite transaction de change pour compléter mon solde sur payeur. Donc, quand vous êtes connecté, si vous n'êtes pas encore inscrit sur EasyChange, surtout n'hésitez pas à regarder le lien en description ou en commentaire pour vous inscrire. Aussi, pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, j'espère que vous allez aimer la vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à activer la cloche de notification. C'est facile de faire ça. Donc, je vous invite, n'est-ce pas, à aller sur ma chaîne. Je vous invite à vous abonner. Donc, c'est assez simple. Vous vous abonnez, vous activez la cloche de notification. Pour ceux qui ne savent pas comment activer une cloche de notification, juste je vais prendre un exemple. Quand vous êtes sur une vidéo, tout ce que vous avez à faire, n'est-ce pas? Voilà, tout ce que vous avez à faire. C'est d'activer. Oh non, ça c'est ma propre vidéo. Désolée. Voilà. Je vais prendre une vidéo ici. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur subscribe. Donc, vous abonner. Par exemple, là, vous abonner et ensuite vous activez la cloche de notification. Voilà, activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes futures vidéos. Alors, on va passer au vif du sujet. Donc, EasyChange, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, EasyChange, c'est une plateforme de change qui vous permet, n'est-ce pas, de changer vos monnaies, mobile money, votre argent en monnaie numérique ou de changer peut-être vos bitcoins dans Perfect Money, etc. Donc là, vous pouvez voir, pour ceux qui ne savent pas, je vais vous présenter un peu EasyChange. Donc voilà, vous avez la plateforme. Normalement, si vous voulez faire une transaction, vous venez dans. Voici comment ça marche déjà. Vous pouvez voir comment ça marche. Vous cliquez sur comment ça marche. Normalement, on a un texte, voilà. Voilà comment ça marche. Voilà, EasyChange, c'est assez simple. Donc, vous, si tu veux convertir tes mobile money, ton franc CFA mobile money, par exemple en dollars payeurs, tu vas simplement aller dans le champ, tu dis ce que tu donnes, c'est-à-dire ton mobile money, et dans le champ, ce que tu veux recevoir, tu viens payer tout simplement. Donc, ensuite, tu écris le montant en CFA de ce que tu as et on va te montrer en dollars ce que tu vas recevoir. Donc, ou vice-versa. Donc, voilà, vous allez donc convertir, vous allez, voilà, vous allez arriver sur cette interface. Tout ce que vous avez à faire, c'est de choisir vos devises. Là, vous voyez, choisir ce que je donne, c'est ce que vous voulez convertir. Et choisir ce que je reçois, c'est ce que vous voulez recevoir. Par exemple, moi, voilà, je vais envoyer des dollars Perfect Money. Par exemple, voilà, je vais envoyer des dollars Perfect Money et je veux recevoir des dollars payeurs, voyez. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre le montant. Voyez, un formulaire déjà apparaît là. Vous avez un formulaire qui apparaît tout simplement. Quantité de dollars à convertir, c'est-à-dire ce que vous voulez envoyer. Quantité de dollars à recevoir. Moi, je vous recommande de toujours mettre ce que vous voulez recevoir. Pourquoi? Parce que si vous voulez recevoir 10 dollars et que vous mettez ici 10 dollars, ici vous n'allez pas recevoir 10 dollars. Pourquoi? Parce qu'il y a les frais de transaction qui s'appliquent à l'opération. Donc, ce que je vous recommande, c'est de taper quantité de dollars à recevoir. Moi, je veux recevoir combien? Moi, je veux recevoir 10 dollars. Par exemple, moi, je veux recevoir 10 dollars. Donc, je vais mettre 10 là. Et vous voyez que la quantité à convertir sera de 10,52 dollars. Alors,
L'adresse de réception en dollars, c'est mon adresse payeur, c'est-à-dire, voilà, je vais mettre mon adresse payeur. Là, je vais mettre mon adresse payeur. L'adresse de réception, c'est l'adresse où vous voulez, vers laquelle vous voulez envoyer votre argent. Donc, c'est mon payeur. Confirmer l'adresse de réception, c'est la même adresse que je remets. Et puis, vous cliquez sur j'accepte les conditions de change et je confirme avoir moins de 18 ans. Alors, cliquez ici pour payer. Donc, je clique. Je clique. Voilà. Donc là, vous voyez, le taux, c'est 10,53 USD. Voilà. Make payment. Oui, je valide. Mes mots, je vais mettre change. Voilà. Mon ID, mon mot de passe, donc je vais mettre la vidéo en pause, le temps de mettre mes informations personnelles. Ok, donc voilà, on va continuer. Voilà. Donc voilà, quand vous finissez d'entrer vos paramètres, quand vous finissez d'entrer vos paramètres, voilà, je vais vérifier 417, 124, voilà. Donc, rassurez-vous, vous mettez votre CADI de connexion et vous rentrez votre mot de passe. Ensuite, Preview Payment. Allez. Là, je vais recevoir un code. Je vais recevoir un code PIN de confirmation. Voilà. Que je vais entrer ici. Donc, je vais juste vérifier dans mes mails. Voilà. Le code PIN, je vais copier le code PIN et je vais le coller ici. Voilà. Données requises de paiement. Bon, je sais pas ce que le truc que je vais reprendre. On va reprendre. Hein. On va reprendre l'opération. Quand ça fait ça, ce que je vous recommande, c'est simplement de changer de navigateur, généralement. Voilà, c'est tout. Moi, je vous recommande de changer de navigateur, tout simplement. Voilà, parce que parfois, c'est juste un problème de navigateur. Voilà. C'est juste un problème de navigateur. Donc, quand vous avez ce problème, parce que parfois beaucoup se heurtent à à cet écran de Perfect Money, pas forcément sur Afri Exchange, sur Easy Change, autant pour moi-même sur d'autres plateformes de business. Donc, je vais entrer mes informations rapidement. Voilà, donc je vais reprendre l'opération très rapidement. Voilà, je vais reprendre l'opération très rapidement. On va se convertir. On va sur. Bon, avant de continuer l'opération, vu qu'on a été un peu empêché là, je vais vous montrer un autre avantage du EasyChange. Alors, sachez qu'avec EasyChange, vous avez la possibilité de faire de l'affiliation. Voilà, c'est aussi un business indirect. Vous pouvez voir que j'ai déjà gagné 900 francs CFA. Donc, pratiquement 1000 francs de bonus de parrainage. Donc, quand vous partez dans parrainage, vous pouvez avoir votre code de parrainage. Voilà. Donc, déjà, je vous invite
vous inscrire dans mon réseau, c'est-à-dire à vous inscrire via mon lien EasyChange. Voilà, et faites-en de même quand vous avez des filleuls, quand vous avez des contacts à qui vous voulez recommander cette plateforme. Vraiment, elle vous remercie de faire sa pub en vous donnant la possibilité d'avoir des bonus de parrainage, c'est-à-dire à chaque fois qu'un de vos filleuls fera une transaction, n'est-ce pas, vous recevez un petit bonus sur ces transactions. Donc, voilà, c'est un peu cela. Et c'est assez intéressant parce que vous voyez un site africain qui fait des choses, des merveilles. C'est intéressant. Vraiment, c'est une plateforme que je recommande beaucoup plus à mes frères de l'Afrique de l'Ouest ou ceux qui se trouvent en zone CEMAC, en zone, je vais dire quoi, en zone CFA, voilà. Ceux qui se trouvent en zone CFA et qui veulent faire du mobile money vers leur portefeuille numérique, voilà. C'est-à-dire, vous pouvez, comme vous voyez là, vous avez. En termes de compte mobile, vous pouvez faire de MTN Côte d'Ivoire, Orange Sénégal, MTN Money Bénin, MTN International, Airtel Niger, Orange Airtel Niger, Move Niger, Move Bénin, Move International, vous voyez Move Inter, Niger, Mobicash, Burkina, Côte d'Ivoire, Mali. Donc, tous ceux qui ont ces opérateurs-là, nous au Cameroun, on a Mobile Money, mais honnêtement, j'ai jamais essayé si ça envoie l'argent au Bénin, c'est possible. Donc, vous voyez, avec votre téléphone mobile, les merveilles que vous faites, c'est plus facile que de se déplacer, aller faire des transactions Western Union, Wari et tout. Donc, quand vous avez ça, vraiment, c'est génial. Tout ce que vous faites, c'est que si vous êtes dans un pays où vous avez fait un business en ligne, vous avez fait un business en ligne, vous avez gagné des bitcoins, vous avez gagné des payeurs, vous avez gagné des perfect money, vous êtes dans un pays où ça ne se recharge pas en local pour qu'on puisse vous envoyer l'argent sur Orange Money, vraiment venez sur EasyChange et mettez votre perfect money tout simplement et ensuite recevez-le en mobile money. Tout simplement, c'est super. Vous pouvez regarder. Ou ce que vous voulez recevoir, si vous êtes dans ce genre de pays, vous pouvez même décider de recevoir par Western Union, en CFA. Vous voyez Western Union là, vous avez Western Union, vous avez MoneyGram, vous avez Wari. Donc vous voyez, si vous êtes dans les pays comme la RDC, d'autres pays, Nigeria et tout le reste, vous pouvez utiliser l'option Western Union, Wari, etc. Donc c'est assez intéressant vraiment comme plateforme de change. Vraiment. Et les prix sont assez intéressants, je vous assure, les prix sont intéressants. Donc, voilà. Vous faites juste Perfect Money. Et moi, je veux du payeur dollar. Vous voyez, je veux du payeur dollar. J'espère qu'on aura le bug de tout à l'heure. Donc, je veux recevoir. Qu'est-ce que j'avais copié tout à l'heure là? Donc, je vais recevoir. Je vais mettre une pause pour entrer certaines coordonnées. Donc, on a repris l'opération de tout à l'heure. Tout est bon. On clique sur. Cliquez ici pour payer. Et on sera redirigé vers le portefeuille de paiement. Voilà. EasyChange. Tout. Ok, trust, ok. Donc je vais make payment. Bon, je suis plus obligé de mettre mes noms, hein, ça me perd le temps. Donc je vais remettre une pause pour remplir les paramètres rapidement. Ok, espérons que ça va prendre maintenant. Ok, donc voilà. On vous montre le solde de votre compte et vous pouvez voir qu'il y a des frais de transaction. Ça, c'est les frais que EasyChange coupe. Et il y a les frais qui s'appliquent de Perfect Money, 1,99 dollars. Donc, ça me fera 10,73 dollars pour cette transaction. Et je confirme. Voilà. Donc, on a terminé. Continuer. Vous voyez, vous avez paiement reçu. Tout simplement. Donc, quand vous êtes heurté à ce genre d'erreur qu'on a eu tout à l'heure, tout ce que je vous conseille, tout ce que je vous recommande, c'est toujours changer de navigateur. Peu importe, changer d'abord de navigateur. Ensuite, on verra ce qu'est la suite.
Voilà. J'ai changé de navigateur et l'opération a fonctionné. Pour confirmer que votre transaction a effectivement été reçue, moi je recommande de vous venir juste dans l'historique. Allez dans l'historique de vos transactions. Vous regardez vos dernières transactions là, vous voyez, converti, montant reçu, et voilà. Donc c'est ça. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de d'activer la cloche de notification et on se retrouve pour des futures vidéos. Merci, laissez des commentaires et un like.